Et bonjour, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tier list avec Petite Roche, donc on en a fait une nouvelle, mais sur les animés. Alors je sais que c'est un sujet qui est assez dangereux, mais j'en ai rien à foutre. Il faut savoir qu'avec Petite Roche, on n'a pas vu énormément d'animés comparé à quelqu'un qui est un grand fan d'animés. Et donc la vidéo sera en deux parties. La première, c'est Petite Roche et moi qui faisons notre classement des animés. Et la deuxième, j'ai deux amis qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui vont venir juger et critiquer nos choix. En fait, en gros, ils vous représenteront, je pense, parce que la majeure partie d'entre vous vont juste nous haïr. Et justement, si vous sentez un peu énervé et irrité par moment, à ce qui paraît, comme dit Sofiane, appuyer sur le pouce bleu, ça défoule, mais comme pas possible. Ou sinon, si vraiment vous n'arrivez pas à vous calmer, le bouton s'abonner est encore plus puissant, donc n'hésitez vraiment pas à appuyer dessus, vous verrez, ça marche super bien. Alors, en regardant cette vidéo, faut partir du principe que vous avez vu les animés dont on va parler, parce qu'il y aura des gros spoilers, donc si vous les avez pas vus, partez maintenant. Si vous en foutez, vous pouvez rester, parce que par exemple, on va dire à un moment que elle, il meurt. Dans SNK, les titans, bah au final, c'est des humains qu'on a juste transformés. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Et je finis ce message juste pour vous dire que j'aime beaucoup, mais genre beaucoup, chercher la merde avec les gens qui adorent certains animés. Par exemple, les Jojo fans et les mecs qui adorent One Piece, je vous aime et m'en voulez pas trop. Bisous. J'aime la neige, j'aime la neige, j'aime la neige d'hiver. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Alors déjà, faut qu'on change ça. Changer quoi? Moi je vois rien. Mais non, mais t'as le partage là. Non, j'ai pas le partage. Mais fais-moi le partage. Oui, mais genre t'as le truc qui est vraiment trop trop bien, et le truc qui est un peu en dessous. Bah tu marques trop trop bien, et un peu en dessous. Ok, alors attends. Une case, Jojo c'est de la merde, et dedans tu mets que Jojo. Beastar. Alors attends, dans l'ordre, le premier qu'on a vu c'est Beastars, ok. Dans... Moi je mettrais un peu, en dessous. Ouais, un peu en dessous aussi, ouais. Je trouve ça vraiment bien. Alors Naruto... Je préfère Shippuden, je crois, au Naruto normal. Bah moi j'adore les évolutions des personnages, et du coup j'aime beaucoup découvrir Naruto. Tout début de Naruto, j'adore ça, peu importe le héros, oh. J'adore ça. Je l'ai vu trop de fois, et du coup j'en ai marre de voir Sakura la pernicieuse, Sasuke l'emo, et Naruto le teubé. Je l'ai trouvé plus vu. Intéressant dans Shippuden. J'ai vu le truc... Non, écoutez, j'ai vu ça, c'est un truc pour... c'est gnangnang. Jure, ça se voit pas à la couverture. Fairy Tail. Fairy Tail, j'apprécie bien, c'est pas mal. Moi je m'en fous, en fait Fairy Tail, j'ai ouais, pas beaucoup je le mettrais vu. Dans pas mal. Dans pas mal, ok. Ouais. Là, il y en a plein qui vont péter un plomb. Sur ça, là, au même niveau que Naruto, il y en a plein qui vont halluciner, mais bon, on s'en bat les couilles. Et attention, Hunter x Hunter. Moi, je le mettrais dans tranquille, mais j'aime pas la fin, comme la plupart des trucs. Tu veux qu'on inverse? Ouais. Là, il y en a, ils vont être soulagés, là. Le bébé, là. Belzébub? Il est en bas, là, à gauche. En bas à gauche. Ça, c'était marrant, mais après, ça m'a pété les couilles. Comment il s'appelle, le truc avec les serviteurs? Je sais. Black Butler. Comment... Voilà, ça. Pas ça. Mal. Non, un peu dessous, un peu en dessous. Bon, Dragon Ball, je l'aimais pas parce que pour moi, j'ai regardé tout, enfin j'ai lu tous les mangas, mais l'anime ne m'intéresse pas du tout. C'est pas Demon Slayer, ça? Non, parce qu'il avait un truc dans le dos, des habits déchirés, et je me suis dit, ouais, c'est bon, mais en fait, non, c'est une meuf qui va à l'école, genre. Qui va à l'école. Ah, t'as des problèmes. Bah, ça avait l'air d'être nul à chier, donc je me suis dit, peut-être que c'est Demon Slayer. Oh. Alors, toi, mon gars, tu vas te faire... Aïe. Bleach. Ah, Jojo. Alors, Jojo. Ça m'intéresse pas. Ouais, ouais, alors bon, je vais le mettre là, juste pour faire chier les gens. Psychopass. Alors là. Ah, alors ça. Oui. Trop trop bien. Psychopass, c'était vraiment bien. Je préfère les animés qui sont courts. Genre Kuroko Basket. Aïe, my Kuroko Basket. Oui, mais je crois qu'on y est là. Ah non, il y a Attaque des Titans avant. Ouais, ouais. L'Attaque des Titans, je vais mettre dans un peu en dessous. Parce que c'était vraiment ouais. Super bien. Mais l'épisode pilote, je le trouve incroyable. La première saison, oui. C'est pas mal. Mais, la première saison, moi j'ai bien aimé. Mais après, quand tu m'as raconté. Moi, ce que j'ai pas aimé, en même temps, c'était logique pour développer l'histoire. Mais c'était que les gens se transforment en titans. Je trouvais ça nul. Enfin, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Moi, je veux juste des gens qui se battent contre des monstres. Moi je veux des trucs de débiles en fait. Je veux des gens gne 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 bagarre. Alors attends, on en était où donc tout ça? Kuroko Basket. Oui, mais j'essaie de faire dans l'ordre. Ouais, donc Kuroko du coup. Oh, bah t'as réussi à t'intéresser au basket hein. Bah en fait, j'aurais mis en trop trop bien, sauf que bon, ça reste un truc de basket tout con au final quoi. C'est. Oui. Tu fais un niveau intermédiaire entre les deux que tu dis
ils sont forts. Pas cons, sont... les mecs. Ouais, ouais. c'est les gens qui ont réussi à te faire intéresser à un truc qui d'habitude ne t'intéresse pas et voilà. Que t'as regardé. C'est ça. C'est genre, vous voulez voir des mecs qui font la cuisine? Non. Et ben voilà, on vous l'a fait quand même, et en plus c'est bien. Par contre, c'est triste que du coup on voit qu'on en a vraiment pas vu beaucoup. Il y a Food War et Parasite à côté. Alors attends, là il y a non. Seven Deadly Sins là. Ah ça c'était bien. Là on va se faire tuer pour celui-là. Dans pas mal. Moi, oh non, c'est pas au même niveau. Ben moi ça m'intéressait bien. Ah moi je trouvais ça juste sympa quoi, je trouvais ça fun. Ben, je le mettrais dans pas con les mecs. Ok d'accord. Non pour moi pas mal parce que c'est pas un truc incroyable, mais en même temps c'est un super bon divertissement. Pour moi la catégorie pas con les mecs c'est la catégorie qui est entre ça passe et. Non pour et moi c'est vraiment ben, pour moi c'est vraiment genre. Putain, pas con les mecs, hein. Il fait des chips et ça t'intéresse, tu vois. Beau. Parasite. Là, Parasite, là. Food Wars et Parasite, oui. Comme tu disais. Alors, bah, Food Wars, Food Wars, pas con les mecs. Pas con les mecs, parce que c'était vachement chouette. Voilà. Bah là, on est d'accord. Il voilà. Y a des monstres, l'histoire elle part pas en couille, c'est court, c'est rapide, c'est parfait. Et ouais, c'est ça, One Piece. Oh. Pas d'explication, rien, bon, mais j'ai même pas vu. Eh, ça va que les gens nous ont demandé de faire une tier list animée, hein, putain. Ouais, parce que en fait, nous, on est super bien calés en animé, on est capable de tous les dire. Hein. Oh oui, ah oui, ah, ah. Ça, j'ai rien à dire, c'est juste que les gens qui aiment pas, c'est des cons. Voilà. Attends, mais... Quoi? Descends. Ah, tu l'as mis en nul, carrément. Non. Non, vraiment pas intéressé, pour le coup. En fait, c'est soit dans nul à chier, j'aurais dû être à chier ici. Non mais, non, mais... Saitama, ouais. One Punch Man. Ah, ça c'est chouette. Dans ouais, pas, mal. Dirais, pas mal. Pas oh. Mal ou un peu en dessous. Je dirais dans pas con les mecs. Ouais, ouais. Bon, celui-là, je l'accorde parce qu'il est assez, on va dire, particulier. Il est pas... Il est divertissant, il est... Ouais, il c'est est... clair. Mais du coup, la catégorie pas con les mecs, elle a aucun sens, mais bon. Si, c'est la catégorie intermédiaire. Si tu veux. Boruto. On peut le mettre. Oh putain! Pas terrible. Ah, moi j'aime pas du tout. Ouais, bon, on va le mettre avec Jojo vu que c'est deux grosses merdes ensemble. Il y a Devilman Crybaby, je le mettrai pas parce que j'ai pas assez regardé, mais. Ah, moi j'ai pas accroché aux épisodes. Moi je le mettrais dans pas intéressé. Ouais, ouais, allez. Death Note, alors. Dans tranquille. Déjà que One Piece, on va se faire déglinguer. Non, en vrai, je le mettrais dans pas con les mecs. Pour moi, à partir du moment où il y a le gros spoiler de elle qui meurt, c'est vraiment plus intéressant du tout. Pour moi, là, ça ouais. Se finit sur Light qui gagne et puis c'est fini. Quoi. Ouais, moi aussi. Full Metal Alchemist, Kill Brotherhood ou pas, moi je trouve ça un peu en dessous, trop bien. Un peu en dessous, hein. Alors, voilà. Non. Comment ça, non? Moi, j'aime bien. Genre c'est un truc normal. Après pareil, moi lui je le mettrais dans pas qu'on l'aimait. Ah ouais, tant que ça. Oui. Ok, bah il va aller dans tranquille alors. Ah. Non, pour moi il mérite pas pour plus que avis, pas mal. Pour mon avis, il n'a aucun intérêt en fait. C'est juste un gars qui a... sa sœur s'est fait mordre par un loup-garou et du coup elle se transforme en loup-garou. Et pour pas qu'elle oui, soit bah... loup-garou, il doit tuer le roi des loups-garous. Waouh. Mets-le dans pas mal. Ah... Oui, parce que j'ai pu... À chaque épisode, je te disais ce qui allait se passer, donc... Mais oui, parce que c'est de la merde, bah. Non, il est très bien. Non, tu choisis mal tes mots. Non, mais en fait, j'aime bien aussi titiller les gens qui adorent les animés. J'adore les rendre fous. C'est pour ça qu'il y a Jojo ici tout seul. Non, en vrai, Jojo, j'ai vraiment essayé. Mais les gens, à chaque fois, ils me hurlent dessus, ils me disent « Ouais, mais ça commence à être intéressant à partir de la saison 251. » Ouais, mais je vais pas regarder 250 saisons d'un truc qui m'intéresse pas, quoi. C'est pas ce qu'on nous avait dit aussi pour Demon Slayer. Je crois que tout ce qu'on nous a dit sur Demon Slayer, c'est la scène de fin, elle est super belle. Et du coup, tu regardes tout le truc pour une scène. Je m'en souviens pas de cette scène. Le personnage le plus intéressant, c'est celui qui ferme sa gueule tout le long de l'animé. Ouais, c'est Nezuko. Mais ouais, c'est fou, hein. Le seul personnage qui est intéressant, il dit rien de tout l'animé. Moi, par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est les méchants. J'avais adoré le gros monstre dans la forêt au début, tu sais, le monstre qui a plein de bras oui. Et plein de têtes. Celui-là, je l'avais adoré. Mais par contre, j'avais détesté tous les mecs plus forts. Tu sais, genre les gars qui jouent du tam-tam et ce genre de trucs, je trouvais oui. Ça nul. Mais genre vraiment super nul. Oui, je vois ce que tu veux dire. Assassination Classroom, c'est juste génial, y'a pas besoin d'expliquer.
Mais Assassination Classroom, c'est chiant à dire par contre. Ce que j'aime beaucoup, c'est la relation humaine en fait qu'il y a dans tout le truc. C'est juste ça. Ouais. C'est la relation humaine qui est folle. Tous les personnages sont bien travaillés, il n'y en a pas un seul qui sert à rien. Que les gens qui aiment les animés n'aiment pas Assassination et les gens qui aiment pas les animés aiment Assassination. C'est ce que j'ai compris en fait. C'est spécial. Ouais, mais parce que les autres, c'est des cons. D'accord. Je choisis très bien mes mots encore une fois. Maintenant, vous saurez que Maëlle a beaucoup d'arguments. Oui, mais de toute façon, j'ai déjà eu beaucoup d'arguments et beaucoup de réparties dans ma vie. C'est pour ça qu'il est devenu youtubeur. Voilà, et que je ne suis pas encore monétisé. C'est pour ça que je suis youtubeur. C'est pour ça que t'es une victime. Je t'emmerde. Voilà, la répartie encore une fois. Bah écoute, là, notre liste, elle est comme ça. Il y en a beaucoup qui vont péter un plomb, mais après, c'est chacun son délire. Je sais pas si au montage, tu pourras rajouter genre DNA, Anohana, Dragon Pilot. Non. Je pense qu'on n'est pas fait pour... Pour les animés. Ouais. Mais voilà, notre liste, si vous voulez nous crucifier, c'est maintenant. Et après, on va faire venir des copains à moi qui aiment beaucoup les animés, qui en ont vu beaucoup plus que nous, et ils vont venir nous dire ce qu'ils en pensent, ils vont venir nous hurler dessus à votre place. Comme ça, de les toute gens façon, même quand eux, ils auront donné leur avis, si ça se trouve, la plupart des gens ne seront pas d'accord avec leur avis à eux aussi. Bah, tant que moi, Jojo, ils le mettent ici, ça va. Here comes a new challenger. Je viens de penser à un truc. Ah. Les gens, là, ils vont regarder la vidéo, mais ils vont pas savoir qui parle à quel moment. Donc, ça serait bien, par exemple, Charles. Tu feras un dessin de Charles et de Julien. Voilà, bah, je ferai un dessin de chacun. Donc, alors, Charles, c'est toi. Je te laisse dire un truc pour qu'on comprenne ta voix. Là, maintenant ? Bonsoir. Voilà, c'est bon, très bien, merci. Et Julien, je te laisse dire un truc aussi pour que les gens sachent quelle voix tu es. Eh bien, salut à tous, moi c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Et ben voilà, donc Charles et Julien. La voix du présentateur. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Oh, bordel. Oh, mon biais. Ça, bon, c'est trop drôle, quand Anna est énervée, elle a un accent qui ressort, mais c'est trop trop drôle. Et du coup, vu qu'elle est énervée, elle te dit avec son accent, et du coup ça te fait rire, et elle est encore plus énervée, et elle a encore plus l'accent. Samouraï Champloo, tu l'as pas mis ? On l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Je sais même pas lequel c'est du coup, parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais monter d'un coup, et vous allez voir notre résultat en entier. Alors, en vrai, ça, ce qui m'inquiète juste un peu, c'est qu'il y en a vraiment un paquet là qui sont vraiment cool, et qui oui, sont mais pas... je t'ai dit, en fait... À mon avis, il vaut mieux qu'ils y soient pas. Putain, j'ai envie de mourir parce que je vois Trigun qui a... Non mais en fait... Vous êtes prêts? Je monte tout en haut, vous allez tout voir d'un coup. C'est parti. Envie de boire de la Javel, c'est bon. C'est parti. Alors moi, il y a... Bon, ok. En fait, c'est assez juste, je trouve, ce que t'as mis. Et en même temps, juste le Jojo en nul, c'est... Non, c'est nul, entre parenthèses. En fait, je l'ai pas vu. C'est surtout, cette case-là, c'est pour énerver les gens. Elle est là pour faire chier. Comme tu veux, moi, quoi. Pour ma part, honnêtement, en trop trop bien, Parasite, je suis d'accord. Parce qu'en soi, c'est vraiment le seinen de base. En top. Je vais prêcher la bonne parole. Mais c'est pas pour dire, mais Parasite et Devilman Crybaby... sont très proches. Moi, à la fin de Devilman Crybaby, j'ai chialé ma grande race. On parle du top top, et il parle de Devilman qui est en pas intéressé d'ailleurs. Quoi ? Je l'ai pas vu, mais quoi ? je vais pas te le dire, tu vois, mais il est vraiment très bas. Bah d'ailleurs, dis à tes abonnés que, attention, moins de 18, hein, Devilman. Ah oui, non mais... Faut pas y aller. Faut pas. Voilà. Paradis, après toi Charles, qu'est-ce que t'en penses toi par par rapport à Devilman, t'en penses quoi? Pas par rapport à Devilman, par rapport juste à un top classique. Bah moi j'ai adoré du coup Devilman, du coup Parasite j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment kiffé. Et Psycho Pass aussi, les deux j'ai vraiment kiffé. Par contre, on parlera pas du... on parlera pas du mec jaune là, mais... Ah mince, en fait... il a été kick. Ah bah merde. Ah bah mince. Bah du coup la première ligne, on est d'accord que les trois ils vont bien ici. Ensuite. Non. Alors, attends, t'es allé un peu vite sur Sasuke Uchiha. Ah bon? Moi, ah bah t'es. Alors, je trouve que l'anime est très bien. Après, de là à le mettre en top, je sais pas trop, tu vois. Ouais, mais l'histoire est bateau. Tu fait, trouves l'histoire plus bateau que Demon Slayer? Alors là, non, Demon Slayer, c'est de la merde, mais on en parlera plus tard, ok? J'ai déjà deviné la fin avant la fin. Genre des vraiment... Je trouve que c'est... Mais la fin, on l'a sait depuis le début, c'était obligé qu'ils allaient le tuer, sinon la Terre, elle est... Oh, spoiler ! Ah ! J'espère que tu vas couper ce moment, parce que là, ça craint. Ce qu'il faut retenir, c'est que Assassination Classroom, c'est mieux que l'attaque des Titans. Voilà.
Bien sûr. Alors, ça discute encore une fois. Faudra vraiment que je dise en début de vidéo que je fais ça exprès pour faire chier les gens, que sinon je vais me faire tuer 10 fois. Mais par exemple, Hunter x Hunter, Anna a vraiment trouvé ça très très moche. Bon, je trouvais pas ça beau non plus, mais elle trouvait ça vraiment pas beau, quoi. Tu vas tellement te faire défoncer en ayant dit ça. Eh ben, ok. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Y en a qui disent Hunter x Hunter, mais d'autres disent Hunter x Hunter. Du coup, de base, tu vas te faire défoncer pour. Bon voilà, du coup, la première ligne, ça nous a pris un quart d'heure. En fait, je crois qu'on allait faire une synthèse de la première ligne. Ouais, du coup, faut qu'on aille plus vite. Non, mais en vrai, on s'en fout. Dans tous les cas, je vais des rushs et on verra. Ouais, tu vas bien t'amuser. Bah écoute, comme tu dis, c'est vraiment très rigolo parce que là, je suis encore en train de dérush la vidéo et il me reste encore. Bah presque 2 heures de rush à regarder. Cool. Faire la deuxième partie de l'expo sur Devilman après, qui t'a préparé. Là, en fait, je prépare un livre. Hein. Beastars, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'étais vachement gêné par l'aspect un peu... Tu sais, les animaux humains, ça fait un peu Fury, quoi. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Oui. Bah nous, avec Anna, on est Fury, du coup, on s'en fout. Nous on s'habille avec des grosses tenues de chien tous les week-ends. Bah c'est pas pour rien qu'on a un chien, un chat et deux lapins. On adore les animaux. J'ai pas du tout un kigurumi panda. Non du tout, elle a pas ça. Et elle le met pas pour aller travailler d'ailleurs, jamais. Tout le délire trip un peu sexuel entre les deux là, ça m'a tellement saoulé. Bah moi je trouve que ça reste quand même assez secondaire alors, ce machin. Alors ça t'a saoulé alors que Devilman machin ça t'a pas saoulé. Moi le sexe j'aime pas trop dans les animés. Tu peux créer un onglet, le tréfonds des ténèbres parce que c'est de la merde, et tu peux mettre Black Butler dedans, s'il te plaît. Juste comme ça, avec Death Note, ils vont bien s'entendre. Ah ouais, vas-y, bah on parlera de Death Note juste après, juste en dessous. Non mais, franchement, moi je trouve que Attaque des Titans, c'est quand même très bon. Vraiment, ah non, mais attention, il est. En fait, il y a trop bien, et il y a juste ceux qui sont en dessous, genre les trop bien, et Attaque des Titans reste quand même excellent. Voilà. Non, c'est incroyablement, c'est horrible. Moi, pour moi, ça serait les Tréfonds des Ténèbres avec Death Note. Ah non, par contre, tu peux. De toute façon, alors Charles, c'est pas dur. Tu mets rien et tu mets Devilman en haut, c'est tout. Non, Devilman, Psychopass, Naruto, tout ça, ça. Bon, par contre, j'avoue que Full Metal, je l'aurais mis au-dessus, mais ça, c'est une autre histoire encore. On n'y est pas encore. Mais c'est à cause de moi qu'il est pas au-dessus. Ouais, vous inquiétez pas, parce que My Hero Academia, je vais être encore pire. Par contre, si je peux vous conseiller du coup un shonen où il n'y a pas d'évolution de personnage, et c'est ça qui rend trop bien, c'est Slayer, c'est un très, 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 très vieux. J'ai vraiment cru que t'allais me sortir Devilman. Non. À chaque fois. C'est genre. Alors, un très bon animé sur la bouffe, je vous conseille Devilman. Vraiment, il est incroyable. Full Metal Alchemist. Et en plus, y a un mec robot, c'est trop stylé. Et l'autre, il est petit. Ça me fait penser à un mec que je connais qui est petit aussi. Et je vois pas qui hein, je. Oula. Je sais pas non plus. Quoi. Maintenant, Charles, on va passer à ton animé préféré, Death Note. Ah ouais. C'est de la merde. Ah ouais. Non, mais attends, il faut qu'on soit 2020. Pour moi, c'est comme celui de Maël. C'est vraiment Death Note, il y a deux parties. Et pour moi, l'animé, il s'arrête très clairement. quand elle, il canne, ça devient pourri après. Et du coup, Charles, en quelques mots, Death Note. Putain, en quelques mots, putain, et lui, il a le droit à long. Non, mais dis ce que tu veux, mais toi, tu pensais que t'allais dire c'est de la merde, on allait passer après, tu vois. Non. Fairy Tail, c'est au-dessus de One Piece, parce que c'est mieux. Alors. Non. Là. Alors là, vraiment, je crois que la phrase n'a pas sorti du tout dans la vidéo. Mais non, mais après, moi, je dis ça toujours pour faire chier les gens. Mais Fairy Tail, pour le coup, j'ai regardé un peu. J'aimais bien le héros, je le trouvais très drôle et très sympa. Bon, du coup, Jojo, bah, c'est nul. Après aussi, il faut dénoncer un truc. C'est la fanbase de Jojo. Est insupportable. Dans tes commentaires, ça va être l'enfer sur Terre parce que t'as critiqué SNK et JoJo. Mais on a critiqué tous les animés qui sont. Ouais, aimés. Là, globalement, ça on va, a tout critiqué. Tout moi, j'ai défendu Assassination Classroom, vous l'avez critiqué. Après, j'ai critiqué tout le reste et vous l'avez défendu. Mais surtout qu'au final, regarde, quand tu la regardes, la tier list n'est vraiment pas méchante parce qu'à partir de ici, tout est bien. Tranquille, pas mal, pas ouais, con, en soi, ouais, un ouais. peu en dessous et trop trop bien. C'est juste qu'à partir de en dessous, là, pas terrible, nul parce que je l'ai pas vu. Et pas intéressé, et je l'ai pas vu non plus. C'est y a rien de méchant au final. Hein. C'est juste que nous, quand on parle, on déglingue les machins. Non, mais oui, c'est compréhensible. Faut aimer le genre, quoi, après. Voilà, et du coup, One Piece, c'est nul. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, vas-y, allez, dégage-moi cette tier list.
Et zou. Ah, il faut qu'on dise des au revoir et tout, comme les vrais youtubeurs, quoi. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne de Souvenirs de Maël, parce qu'il travaille énormément sur ses vidéos, il passe beaucoup, beaucoup de temps sur toutes ses animations, il est fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir. T'as fini, oui. À part... Déjà, quand t'as commencé à dire « abonnez-vous à sa chaîne », je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Alors... Abonnez-vous à ma chaîne à moi. Ouais, il en a abonnez-vous pas. Abonnez-vous à celle de Charles, il vous parlera de Devilman Crybaby. Il adore ça, en plus. Non, mais ouais, bah, au revoir tout le monde. Hein.